Les beaux mardis de Casimir, on en est rendu à la 33e édition, donc c'est la 33e année. Ça a évolué beaucoup dans le temps. Ça a commencé tranquillement avec des spectacles plus d'organismes ou d'artistes de la région. Ça a grossi avec le temps. Il y avait beaucoup de relèves, des jeunes qui ont été quand même connus, des gens de l'extérieur. Mais depuis 3 ans, la ville a investi beaucoup, la ville de Saint-Hyacinthe, dans les spectacles et dans la qualité des spectacles. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on peut offrir des spectacles qui ont quand même, avec des artistes très réputés, une belle réputation, tout ça. Par exemple, cette année, on va avoir Patrick Normand et Mes Aïeux, qui sont les deux groupes du mois d'août. Et pour les plus jeunes, naturellement, on commence avec la Philharmonique, qui est un peu une tradition à Saint-Hyacinthe, la Philharmonique de Saint-Hyacinthe. Après ça, on va recevoir Yann Perrault, qui est quand même un artiste très connu. On va avoir New Cities, qui est un groupe de jeunes très connus, sont très, très connus au cégep. Alors, on espère que tous les jeunes adolescents et adultes vont venir assister au spectacle. Puis on finit le mois de juillet, le 23, avec Jonas and the Massive Attraction. Jonas est en Allemagne actuellement, est en train de faire une tournée européenne. Il revient deux jours avant le spectacle ici. Alors, je pense qu'on a une belle programmation cet été. Ça va être intéressant, on en a pour tous les goûts, pour tous les âges. Fait que c'est le temps de venir faire un tour au parc Casimir-Dessolles cet été. La Ville s'est impliquée dans les médias sociaux cette année avec une page Facebook, une page Twitter. Donc, on invite les gens à aller consulter la page, à aimer notre page également. On est environ autour de 150 j'aime sur la page Facebook. Donc, on donne plein d'informations sur les groupes, les artistes invités, tout ce qui se passe, les derniers potins. Donc, on garde le fil avec les artistes qui sont invités au Beau Mardi de Casimir. Et sur Twitter, la même chose. Donc, des fois, les artistes nous envoient de l'information. Donc, il y a un bel échange. Puis, on invite les gens à prendre des photos, à nous les envoyer. Donc, des belles promotions là, qui vont avoir lieu au cours de l'été sur les pages Facebook et Twitter des Beaux Mardis de Casimir.